Hey, salut à tous, c'est Moltresso pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réception d'achat. Donc ça fait super plaisir de faire ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît. Donc moi, ça me fait super plaisir de vous montrer ce que j'achète. Donc on va commencer tout de suite par vous présenter chaque vendeur et chaque produit qui va avec. Pour commencer, j'ai commandé ce truc. Donc ça m'a coûté 7 euros et quelques. Donc le vendeur s'appelle Fantasy, c'est sur eBay. Donc c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir des boosters de Pokémon le film Je te choisis. Donc il y a tous les Pikachu de Sacha, sauf celui que j'ai déjà. Donc il y a Pikachu de Sacha comme ça. Donc la SM 109, la 110, la 111, la 112, la 113 et la 114. Donc ça me revient à peu près à 1€ la carte. Donc moi ça me fait super plaisir parce que j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir des boosters comme cela. Donc dites-moi en commentaire si pour vous ça vaut le coup. Donc pour chaque achat, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Pour le deuxième achat, donc cet achat je l'ai acheté à David Lafarge. Donc c'est sur son eBay, donc dans une de ses dernières vidéos, il a mis un eBay où il vendait beaucoup de choses de sa collection. Donc des boosters ultra rares, des cartes ultra rares sous PCA. Donc ça fait super plaisir qu'il ait montré un peu ce qu'il vendait. Donc moi je suis super content d'avoir pu découvrir ça. Et donc les boosters XY, ça faisait un moment que j'en cherchais quelques-uns. Donc j'en voulais 4, donc une illustration de chaque pour ma collection et quelques-uns pour vous ouvrir en vidéo. Donc ça m'a revenu à peu près à un peu moins de 5€ le booster. Donc ça fait super plaisir. Donc il y a les 4 illustrations avec Tortank, Xerneas, Florizarre et Yveltal. Donc il y a 10 boosters. Donc je pense que j'en rouvrirai 4 en booster pour faire Tortank vs Yveltal. Donc on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc dites-moi aussi si c'est une bonne affaire. Donc pour moi ça va parce que moins de 5€ le booster, ça fait super plaisir. Et pour le dernier achat, donc j'ai effectué cet achat sur Le Bon Coin. Donc une dame vendait des jeux DS et Wii à 2€ pièce. Donc j'ai pris tous les jeux Pokémon. Donc en fait elle me dit pour 2€ c'est le prix du jeu si on se déplace. Et pour 2€ plus 50 centimes de frais pour chaque jeu. Donc ça m'a rajouté 1,50€, donc ça fait 7,50€ les 3 jeux, donc 2,50€ le jeu. Ça m'a fait super plaisir, donc elle m'a tout envoyé, j'ai reçu nickel. Donc un grand merci à Viviane, donc c'était le nom qu'elle avait sur Le Bon Coin, donc je pense que c'est son vrai prénom. Donc ça fait super plaisir, donc il y a le Pokémon version argent sous silver, le Pokémon Ranger, et le Poképart Wii, le monde des vœux. Donc ça fait super plaisir, franchement, 3 jeux, dont un que je n'avais pas dans la collection, c'était le Poképart 2, le monde des vœux. Donc ça fait super plaisir de tomber sur des affaires comme ça. Donc dites-moi en commentaire si les affaires que j'ai faites sont des bonnes affaires ou des mauvaises affaires. Donc ça m'a fait super plaisir de faire un achat à David Lafarge sur son eBay pour le soutenir. Et également acheter des boosters qui me manquaient pour la collection et pour vous faire une ouverture plus tard sur la chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao ciao.